Oh putain de merde. Ah bah ça commence fort pour un début de partie. Oh putain de merde. Bonjour à tous, excusez-moi de ce grossier mot. Nous sommes sur la chaîne Olivier Gaming, nous sommes sur Uncharted 4 et nous sommes à l'épisode 5. Et il promet d'être très animé en ce début, puisque nous allons sortir Sam de prison. Par contre, vous êtes gentils les gars, j'ai pas d'armes. Garde le rythme, Samuel. Il faut qu'on fasse aussi vite que possible. Bordel de merde. Ah, ils ont foutu la pagaille. Ok. Pedazos de panier de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Oula. Bordel. Les types sont des sadiques. Alors on rend service à l'humanité. Tiens, tu vas en avoir besoin. Est-ce que tu te souviens comment ça marche? Oula, bah je sais plus trop, hein. Abran todas las puertas. Hector! Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Ganlo. Le but du jeu, c'est logique. Je pense que c'est comme ça qu'on sortira. Oula là. Excite-toi tout seul. D'accord. 23 en munitions. Complètement dingue. Il va falloir que la mairie se fasse. Maman, jamais. Si Canal Frente, on y va. Eh ben ça tient dans tous les sens, c'est bien. Ah, y a pas d'autres munitions parce que là je vais être. L'eau est parfait. Ouais, je vois ça. Oh, 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 ça va beaucoup mieux. Bon, et maintenant, estamos en position. Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, mets-toi à couvert. Quoi? Mais pourquoi? Allez, vite. Oh. Est-ce que tout va bien? Ça va. Mais il est cinglé ce garçon. Comment je fais pour récupérer mon... Voilà. Ok. Ok. Oh. Mal ça. Ouais, je vais peut-être plutôt prendre l'autre arme parce que j'ai plus de munitions sur celle-là. Non? Ah, c'est mieux, 63, j'aime bien. Oup, oup, oup. Oui, je suis là. Samuel, à couvert. Samuel, dans une minute, soit on est libre, soit on est mort. T'es prêt? Merde.
pas de ce côté-là. Oh, pleine tête. Ça explose de partout. Par contre, je suis bien armé du coup là. Je suis encore mieux avec celle-là. Ensuite. C'est quoi cet argent? Là, faut que je monte. Ouh là là, ouh là là. Hop hop hop. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Oh, je m'y attendais pas. Oh, les secousses dans la manette, je vous explique pas. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. C'est moi qui ai fait ça? Voilà. Je t'ai grandi. Ça tire dans tous les sens. On s'en est sorti. C'est pas bon. Waouh. Bah, la prison est une véritable ruine maintenant. À quoi? Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Des épisodes tiens, vraiment inégaux pour l'instant, puisque l'épisode précédent, le 4, était vraiment pas très fourni en action. Bon, j'ai bien eu mon petit jouet en plastique. C'est vrai. Et une petite partie de Crash Bandicoot. Je vais déjà prendre un bain. C'était vraiment sympa. Dormir dans un vrai lit. Trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi. Retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais. À peu près, mais... En fait, tu vois, c'est... C'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même une pistolet. Oh, d'accord. Oula, ça va mal se passer pour ça. Non, 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 attends. Non. Hé, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame et un cuchillo. Tu vois, le problème, c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Non! Combien de temps? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible. 3 mois. La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le.
crois. Eh ben dis donc, crois-moi, il veut la moitié du trésor. Bon, on est sorti de prison grâce à lui, quand même. T'essaies de cacher le trésor. Ou que tu tentes quelque chose. Enfin, j'en ai tué quand même pas mal de gardes. Si tu avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras, le moins je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein. Vamos. Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel. Buena suerte, je suppose que ça veut dire bonne soirée. T'as 10 km à faire quand même. Alcazar m'a laissé mettre les boules. Et voilà. Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter les terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avry avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama... se trouve encore très certainement dans celle-là. Mm-hmm. Ah ah! L'enquête avance. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais. Bah, ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah, ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oui. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Bah, je sais pas, moi. Putain. N'importe qui, Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui que j'irai voir pour un coup comme ça. Rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais. Donc il accepte de suivre son frère, donc ça va être... Je crois que je vais finalement... Alors déjà, il ment encore une fois. Rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a menti. Son frère est resté en prison pendant 15 ans. Mentir à sa femme, c'est jamais bon. Souvenez-vous-en. Tu vois quelque jamais chose? C'est bon, ça. Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte.
Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. Donc ils vont s'introduire. Parce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Nathan est en costume. Tu vois de là où t'es ? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avril, ok ? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions ? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai... Et moi j'espère que vous avez pensé à prendre... vous abonner et à mettre un joli pouce bleu pour cet épisode. Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer. Ça a pas mal bastonné quand même. Monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Je pense que là on va pas mal escalader. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix ? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de mais, la vérité. Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille. Attends, non. Ouf, écoute, ça fait mal ça. Je veux que tu lui fasses confiance toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Tu vois ? La confiance. Mais quoi ? Et cette face à l'air transmoking. Ah, c'était mieux relevé, hein, quand même. Parce que c'est vrai, faut pas salir le smoking. Ah bah, voilà, on change de chapitre, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour l'épisode 6. Au revoir.